Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour un nouvel épisode sur One Piece Pirate Warrior 3. Et aujourd'hui, on va attaquer le dernier chapitre, épisode 1, l'île d'un nouveau départ. Et effectivement, c'est un nouveau départ, puisque je rappelle, dans l'épisode précédent, on était à Marineford, et malheureusement, Ace et Barbe Blanche ont été tués. Donc il me semble que Ace a été tué par Akainu en voulant sauver Luffy, et Barbe Blanche par Barbe Noire, si je me trompe pas, si c'est bien raconté comme ça dans le manga. En tout cas, dans le jeu, ça s'est passé de cette manière là. Et d'ailleurs, Barbe Noire qui a récupéré les pouvoirs de Barbe Blanche, et du coup il a l'air d'être vraiment vraiment ultra fort. Donc Luffy est tombé dans une dépression monstrueuse, Luffy n'était pas bien, mais Jinbei lui a remonté un petit peu le moral, et du coup il a décidé d'aller s'entraîner avec Raiden, si je me trompe pas, je me souviens plus de son nom, et du coup voilà, il s'entraîne pendant 2 ans et normalement il doit retrouver son équipage aujourd'hui. Donc ce qu'on va faire, on va mettre en difficile ou pas, ouais on va mettre en difficile suivant, et on n'a pas le choix, on est obligé de jouer Luffy, mais bon moi ça me va, vous pouvez voir qu'avec Luffy je suis plutôt pas mal, je suis niveau 50 et au niveau des pièces aussi je suis plutôt bien. Ouais c'est Riley, voilà c'est bien ça. J'ai le... Ouais, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Bon, ben, j'ai tout ce qu'il faut, c'est parfait, si ce n'est un petit peu la défense qui me manque. Mais mis à part ça, on est très bon, et normalement, ça devrait faire très très mal. Allez, c'est parti. J'espère que le jeu n'aura pas de problème aujourd'hui encore, comme la dernière fois, ou comme les fois précédentes où j'ai essayé de tourner la vidéo, là, sur l'épisode précédent. Go to the new world. Et ouais, on arrive dans le nouveau monde, quoi, en gros, si j'ai bien compris. Par contre, il a une sale cicatrice hein, sur le torse. Je me souvenais pas qu'il avait une cicatrice comme ça. J'avais pas le souvenir. Alors, chapitre final, épisode 1. L'île d'un nouveau départ.海軍本部では戦国が職を退き新たに赤犬坂月が元帥となった。それに先立ち青木地九段は赤犬と衝突。決闘に敗れて海軍を去っていた。また白ひげの死によって空席となった四皇の座は黒ひげ喜一が奪い取り新世界で勢力を伸ばしつつあった。一方麦わらの一味は沈黙を守り続けた。 頂上戦争の後、2年後の最終決を仲間に伝えたルフィは、デイリーのもとで覇気の修行に励み。その間、他の仲間たちもまた、それぞれに大きな成長を遂げる。そして2年を経た今、麦わらの一味は約束の地、シャボンディ諸島で再会の時を迎えようとしていた。 Ok, d'accord, très bien. Donc effectivement, ils nous ont raconté un petit peu ce qui s'est passé. Donc entre-temps, il y a Akainu qui est devenu le chef des vice-amiraux. En gros, il a vaincu Aokiji qui était son collègue. Apparemment, c'était un petit peu la guéguerre entre eux. Et du coup, Aokiji a quitté la marine. Pendant ce temps-là, apparemment, Luffy a maîtrisé le fluide royal. Je sais pas ce que c'est encore. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire, bien sûr. Et puis apparemment, voilà, il va falloir rejoindre ses coéquipiers sur l'île de Sabaody, je crois, une connerie comme ça. Retrouve l'équipage et met les voiles sur le Tunsan Sunny. Ok, très bien. Donc ça c'est le bateau, pas de problème, fuis n'importe quel... D'accord, ok, donc faut que je les sauve tous, retrouve l'équipage, dirige-toi vers le... Ok, très bien, alors en plus là je vais incarner la nouvelle version de Luffy, je suppose 2 ans après, donc il va être bien plus fort. Du coup, qu'est-ce qu'on a? La jauge d'attaque spéciale se remplit bien plus facilement, la jauge d'attaque augmente automatiquement le rythme raisonnable, charisme du champ de bataille, l'attaque augmente grandement tous les 500 KO... ouais, ça m'a l'air plutôt bon...
Les dégâts des attaques spéciales augmentent un peu. Ouais, on pourrait faire ça. Ouais, on pourrait faire ça. On va faire ça, on va faire ça. Allez, du coup, on est parti, du coup. Chasse au trésor. Ouais, du coup, on est parti, du coup, j'ai dit. Hein. Bravo, Lilian. Alors, condition, atteint le... avec Nami sans que Sanji ne se fasse pétrifier. Ok, évacue tous les vaisseaux de guerre avant le début du bombardement. Bah, tous les... Ok, très bien, ça a pas l'air si simple que ça. Mais bon, de toute manière, on est là pour réussir la mission avant tout. Et découvrir les cinématiques qui s'y cachent. Let's go, du coup. On va rejoindre Steve Frankie qui avait en haut si je me trompe pas. Du coup, on a le nouveau Luffy. J'ai hâte de voir un peu ce que ça vaut. Ok, déjà ça vaut un gros coup de poing dans la narine. Donc ce qui est pas trop mal. Allez, oh, c'est quoi ça? Oh le tourbillon quoi. Énorme. Bon, j'avais pas le choix de jouer Luffy, donc du coup, tant mieux. Je perds mes mots tellement. Double grosse boulette. Oh et le tourbillon. Ah, il est trop stylé. Elle est vraiment trop stylée cette attaque. Ah par contre, attendez, parce que moi je m'occupe d'ici, mais il y a quelque chose ici. Chopper, oh, il y a Perona, tiens, le retour de Perona, con. Ça fait longtemps, elle. Ça fait longtemps, la famille. J'espère que tu vas bien. Aïe, par contre, tu me fais mal, là. Aïe, ça fait mal. Elle a l'air que... Oh, Chopper, oh, comment il est. Il casse de rire. Boum. Oh, la double boulette, c'est quoi ces canons, là. On dirait qu'il a des boulets de canon sur le bout des doigts, là, regarde. Boum. Ouais, Usopp, qu'est-ce que je dis, moi, Chopper. C'est bon, elle est vaincue, elle. Elle est vaincue, c'est bon. Allez, on y va, les gars. C'est parti. Oh, elle a décidé de rejoindre mon... Ouais, de m'aider. Oh, bah, c'est cool, ça. Bon, par contre, c'est pas par ici qu'il faut aller. On va faire un petit peu le tour. Alors, du coup, on va faire 1, 2, 3. Et là, donc, si j'ai bien compris, tourbillon. Voilà, c'est ça. Elle est cheatée, cette attaque. Elle est cheatée, pas tant que ça, mais en tout cas, elle est vraiment stylée. Boum, gros coup de poing. Voyons, et si je fais ça, juste. Ouais. Ok, donc on retrouve quand même des attaques classiques de Luffy, hein, mine de rien. Là, on va le jeter, voilà, gros coup de tête. Boum. Ok, donc on retrouve quand même des attaques classiques de Luffy, hein, mine de rien. Allez, le tourbillon. Ouais, bon, Chopper, par contre, en allié, c'est pas tip-top. Hein. Je suis un peu choqué et déçu de Chopper. Je m'attendais à mieux. Pour faire les points d'exclamation, par exemple. C'est pas foufou, mais bon, c'est pas grave. Oh, boum. Oh, comment ils ont appelé ça? Gom Gom Red Hawk, je crois. J'ai pas eu le temps de bien lire, mais... Si j'ai bien lu, c'est ça. C'était Gom Gom, je sais pas quoi. Allez, on va tout défoncer. Ok, on a augmenté la barre de Chopper. Maintenant, on va augmenter celle de... comment il s'appelle? De Usopp. Et ouais, parce que là, on retrouve tout l'équipage, du coup. Ça fait plaisir, tout ça. Alors ce que je vais faire avant d'aller rejoindre le petit Franky, voilà, c'est que je vais essayer de prendre quand même quelques territoires au passage. Allez, vous dégagez. Voilà, c'est bon, là on a Usopp qui nous aide. Normalement c'est good. Voilà, dégagez. Oh, il envoie une espèce de phénix de feu là, il est vraiment stylé. Il est vraiment stylé son phénix de feu là, je sais pas trop ce que c'est, mais vraiment classe. Boum. Ouais, pas mal. Pas mal du tout. Regardez ça, le phénix. Pour là, il est vraiment stylé, le phénix. J'avoue, plutôt classe, là. Usopp, pour le moment, plutôt classe. Bon, après, j'imagine que ça reste un trouillard, hein, comme à l'époque. Je suppose que le mec, il a pas changé comme ça du jour au lendemain. Je serais très étonné, d'ailleurs, qu'il ait changé comme ça. Allez. Ah, bah, c'est bon, j'ai mis le pouvoir d'Usopp au max. Bon, bah, c'est cool. Du coup, on va augmenter celui de Perona. Voilà, nickel. Territoire pris. Et du coup, on va pouvoir avancer. Il y en a qui sont pas morts encore. Allez, on avance là. Qui c'est qui est derrière? C'est Chopper. Il y a encore quelques ennemis, c'est pour ça peut-être. Voilà, ben on va libérer le passage du coup. Allez. Voilà. Allez, dégagez tous. Faudrait que mon petit Chopper il avance par contre. Ok, voilà. Perona est passé niveau 2. En plus, j'ai mes 4 barres d'attaque spéciale. Ouais, non, là on est plutôt bon pour le moment. Bon, pour le moment, la mission est simple, mais on est qu'au départ aussi. Donc, on va pas commencer à. On va pas commencer à faire n'importe quoi. On est arrivé au point, du coup. Il y a un petit coffre, on va l'ouvrir. Et hop, bon, ça me sert pas à grand chose, vu que j'avais la santé pleine, j'avais tout qui était plein, là, de toute manière. Oh, Franky, d'ailleurs, il a un peu changé, ouais. Ah ouais, maintenant, c'est carrément un gros robot, quoi. Ouais, donc lui, c'est limite, c'est plus un humain, maintenant. Retrouve l'équipage et dirige-toi vers le Tunsan Seni. Ouais, mais c'est fait, déjà, mais... C'est fait, mais bon, ils sont en train de se bagarrer, encore, inutilement, contre des mecs qui n'ont pas de vie, là, quasiment. Voilà, dégagé. Mais bon, c'est pas bien grave, hein. Moi ça m'occupe hein, de les défoncer. Par contre, j'aimerais bien qu'on avance, quoi, qu'on fasse la suite de la mission, mine de rien. Allez, voilà, gros coup de poing. Allez, Perona, negativolo. Poum, 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 poum. Et bim. C'est bon, on peut avancer, les gars.
Allez, c'est bon, Usopp, tu avances. Allez, bon, ben normalement, on est bon, là. Si Usopp, il décide de rentrer dedans, bien sûr. C'est bon, on a 500 KO. Alors. Putain, les gars, mais rentrez dedans, qu'est-ce qu'ils me font, eux? Allez, là, on rentre. Allez, Chopper. C'est Chopper, il veut pas rentrer. Qu'est-ce qu'il fait, Chopper? C'est bon, il est rentré. Eh ben, du coup, il en a mis du temps. Usopp et Chopper ont atteint le Tunsan Sunny. Ok, il est où, d'ailleurs? Ah, mais il est là, oui, je l'avais pas vu. Ok, très bien. Vous êtes tous si virils. Ouais. Par contre, toi, Franky, putain, il est trop moche, Franky, comme ça. Il est un peu moche, quoi. このことについては、おめえらも知っておくべきことがある。今日まで船が無事だったな。船を守る戦士が一人いたから。2年前、俺たちをチリジリにすっ飛ばした張本人、大岡七部会の大男、バーソロミュー・クマだ。数日前、俺がサニー号にたどり着いた時は、 目を疑った。待っていた。任務完了だ。サニー号には傷一つなかった。なんであいつが敵だったんじゃねえのか。おめえらも薄々気づいてたとは思うが、あの戦いですっ飛ばされなければ俺たちの命はなかった。 結果的に俺たちは助けられたんだ。心にとどめとけ。この一味にとってクマは大恩人だってことを。君たち、島の状況が世話しなくなってきた。仲間も皆もう上陸している。船に全員を集めろ。少々慌ただしいが、それぞれの2年を乗り越えて Ok, très bien. Donc, on a appris que Kuma, en fait, voilà, c'était un gentil et qu'apparemment, il a protégé le bateau de l'équipage de Luffy, du coup. Et que c'est grâce à lui qu'ils ont pu s'enfuir à l'époque et qu'ils ne sont pas morts. Du coup, très très bien. Ben, c'est très bien de savoir tout ça. Et on va aller défoncer du monde, apparemment. Il y a pas mal de monde à aller défoncer. Du coup, on est parti. On va utiliser le pouvoir de Usopp. Et c'est parti pour le pouvoir de Usopp. Allonge la durée d'un Kizuna Rush avec Luffy. C'est parfait. Ouh, en plus, le Luffy là, a l'air vachement énervé. Voyons. Ouh, il m'a arrêté en un coup de poing, lui. Il m'a arrêté en un coup de poing. J'ai pas trop apprécié. Voilà, nickel. Par contre, Sanji est dans la merde là-bas, j'avais pas vu, mais... Il est un peu dans le caca, là, en fait. Il est un peu dans le caca, Sanji. Allez, tourbillon. On va essayer de prendre le territoire rapidement et ensuite d'aller aider Sanji, parce que je vois qu'il y a beaucoup de monde sur lui, en fait. Et j'aurais peut-être pas dû commencer par ici, mais bon. Ok, donc il y a Hancock qui est arrivé, de ce que j'ai compris. Et donc là, je dois aller vite fait, bien fait, là-bas. Je crois qu'il y a une chasse au trésor, en plus, faut pas qu'il se fasse pétrifier ou une connerie comme ça. Voilà, c'est bien... Ah non, non, là, c'est juste une mission comme ça, ok. あのスーパーな美女。お、韓国だ。助かった。韓国？七部海の海賊女帝じゃねえか。七部海と知り合いなのか、ルフィ。ああ、俺、女王島に飛ばされたから友達なんだ。あの女帝と仲良し？ お前ちゃんと修行してたんだろうな。お前、俺なんかな。俺なんか。ルフィ、仲間と無事に会えたようじゃな。いやー、海賊女帝がこっちに目くばせを。って、サンジー。 Sanji qui est ébloui par la beauté de Hancock, du coup. Allez, c'est parti, Gom Gom, je sais pas comment on peut l'appeler cette attaque, n'hésitez pas à me dire aussi dans l'espace commentaire, parce que je crois que les traductions sont un peu spéciales sur ce jeu. Et c'est parti, boum, gros coup de poing d'ailleurs, là, ça fait... Ouh, on a fait un sacré ménage, avec... On a fait un sacré ménage. Allez. Et si on augmentait... Le Kizuna Rush, si on utilisait le Kizuna Rush de Monsieur Chopper, tiens, pour voir un peu ce que ça vaut. On va essayer d'utiliser le Kizuna Rush de tout le monde, d'ailleurs. Voilà, gros coup de poing dans vos dents.
Oh, il m'a mis une tatane encore, lui. Un peu pénible, celui-là, là. Voilà. Rien que pour ça, punition. Punition. Pouah, on les massacre. On les massacre. Clairement, là, c'est vraiment le massacre, quoi. Y a pas à dire. C'est le vrai bordel, quoi. Bon, let's go. On y va, du coup. On avance. Et on va essayer de, voilà, d'attaquer un peu par ici. Oh, il y a un pacifista, tiens, encore. Il y a un pacifista, encore. Je savais pas que ça existait encore. Mais bon, pourquoi pas. Il m'a paralysé, lui, ou quoi? Il m'a fait quoi, là? J'ai pas compris. Oh là là, oh là là, on va tenter le Kizuna Rush. Gomme, gomme. Croissance. Oh, c'est quoi, ça? Sabot tranchant. Ok, donc... Oh, oh, j'ai même pas eu le temps de lire le nom de l'attaque, tellement ça avait l'air ultra puissant. Ah, il s'est fait pétrifier. Bon, mais j'ai raté ma mission, du coup, tant pis. Il s'est fait pétrifier, le con. Bon, ben, c'est pas grave, de toute manière, on est là pour réussir la mission avant tout. Après, moi, le 100%, je le ferai personnellement à côté. En tout cas, j'aime bien. Ce début de mission est vraiment, vraiment sympathique. Hein. Je crois que c'est une des missions que je préfère pour le moment. Sur un début, du coup, ça fait plaisir. Allez, on défonce tout le monde, là. Voilà, mon petit chopper. Tu vas récupérer ta barre de Kizuna Rush. Et je vais essayer d'augmenter en coque un peu. Ouais, tiens. On va essayer d'augmenter en coque et il faut que je termine... Perina, je crois qu'elle s'appelle. J'ai oublié son nom. Perina, c'est ça, non? Ouais, c'est ça, Perina. Ah, il y a une chasse au trésor, là. Ok, je dois faire quoi, là, avec Sanji, en fait? Je dois faire quoi avec Sanji? Je dois faire quoi avec Sanji? Je sais pas trop ce que je dois faire, mais on va le faire, hein, pourquoi pas. Oh là, oh là là, oh là là, là, on va tous les défoncer, ça va faire mal! Ça va faire mal! Oh là 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 là, on est passé niveau 3 et même presque le pouvoir de Perina, là. J'ai oublié son nom, là, merde, comment... Attends, en plus, je l'avais en tête au départ, hein, j'ai bien dit, je crois que c'est Perina, non? Ça doit être Perina, ouais, non, non, mais c'est sûr, c'est Perina même, mais... Une connerie comme ça, là. Attendez, c'est pas possible que j'ai perdu son nom, là, en l'espace de rien du tout, là. Ok, alors attendez, c'est quoi la chasse au trésor, là, avec Sanji, là? Je vois qu'il est un peu énervé, là. Yanami, ok, Yanami, 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 Yanami. Eh ben, c'est parti, on va augmenter Hancock. Allez, Hancock. Voilà, Hancock, elle passe niveau 2, nickel. On a fait bobo, là. Là, clairement, on a fait bobo. Allez. Boum. C'est qu'il faut défoncer? Le commandant des pirates. Ah, mais c'est parti, monsieur le commandant des pirates. Voilà. C'est bon, il bat en retraite et on peut s'enfuir. Oh, Nami, ouais, elle a pris de la beauté encore, dis donc. Elle est encore plus belle qu'avant, j'ai l'impression, la petite Nami. Et c'est pas pour me déplaire, je pense que ça déplaira pas à Sanji non plus d'ailleurs, au passage. Hein. Et d'ailleurs, Sanji qui est en train d'arriver, là. Donc bon, Sanji, faut pas que tu sois pétrifié, mon ami. Hein. J'espère que tu vas t'en sortir correctement. Oh là là, là, va y avoir carnage ici. Gomme, gomme. Gros coup de poing dans ton nez. Et on passe niveau 3 avec Hancock. Eh bon, on n'est pas au bout du niveau 3, pas encore. Par contre, Sanji est en train de rattraper... Nami. Je sais pas si c'est bon signe. Ouais, voilà, il a rattrapé Nami, et il a été pétrifié, le con. Et j'ai raté ma mission, du coup. Voilà, j'ai raté ma mission parce qu'il a été pétrifié, en fait. Ah, merde, bon, bah, c'est pas grave, tant pis, de toute manière, c'est pas grave. Mais la prochaine fois, je le serai, je ferai vraiment le gros ménage. Et ensuite, bon, par contre, s'il est pétrifié 40 années comme ça, c'est pas trop cool. Voilà, tu te relèves, mon ami. C'est qui, ça? Ah, c'est... Oh, elle a changé, Nico Robin. Ah ouais, elle a grave changé, Nico Robin. Elle est pas très belle comme ça, là. Bon, après, faut voir. Hein. Faut voir, mais comme ça, elle avait pas l'air très très belle. Oh putain, il y a du monde sur Nico Robin. Oh, j'y vais de suite. Je vais aller la défendre, ma petite Nico Robin. Allez, c'est parti. On y va. Ah oui, c'est vrai que j'ai le Kizuna Rush de Perina, là, où j'ai oublié déjà son nom. Et on va l'utiliser, tiens, d'ailleurs. On va l'utiliser. C'est parti. Oh là, 1, 2, 3, 4. Oh là, on l'utilise à 4 en plus. Oh là. Boum. Allez, boum. Ça fait mal à tout le monde. Toi, t'es KO, toi, voilà. Toi, t'es KO. Bah, je crois qu'ils sont tous KO, de toute manière. Ouais, ils sont tous KO. Hein. Donc, du coup, autant utiliser le Kizuna Rush pour rentrer à l'intérieur et tout défoncer dans le territoire. Voilà, de quoi faire un maximum de victimes. Voilà, là, c'est le vrai bordel. C'est pas pour me déplaire, hein, d'ailleurs. Moi, j'aime bien quand c'est le bordel comme ça. Voilà, le territoire, il va être pris, mais alors à une vitesse. En plus, le Kizuna Rush dure super longtemps avec l'équipage de Luffy. Et ça, c'est plutôt pratique. Et voilà, territoire pris, du coup. Et c'est nice. Nous avons réussi. On ouvre le coffre, on récupère des berries. Et nous avons fait un gros carnage. Eh bien, nous allons aider Nico Robin, qui est en train de se faire taper par un commandant de la base. Alors toi, monsieur le commandant, je te trouve pas très gentil, tu vois.
Voilà, t'attaques mes coéquipiers comme ça, c'est pas du tout sympa. Quant à vous, je sais pas ce que vous voulez, mais vous n'aurez rien, voilà. C'est terminé, et nous allons pouvoir continuer à augmenter. C'était qui? C'était Nico Robin, hein, qu'on avait commencé à... Ouais, c'était Nico... Non, c'est pas Nico Robin, ça, c'est Hancock. Ouais, c'est Hancock. Ah, je suis un peu perdu. Putain, il y a Sanji qui est en train de courir derrière... derrière Robin. Il est vraiment con, ce Sanji, hein, il est vraiment con. Ah là là, putain, putain, en deux ans? Attendez, en deux ans d'entraînement ou quoi? Je sais pas ce qu'il a fait pendant deux ans. Il a toujours pas rectifié son problème avec les filles. Et j'ai l'impression que c'est même encore pire. Et c'est la catastrophe, faudra bien qu'il le règle un jour, parce que sinon, ouais, ça va lui causer la mort, tout ça. Ça va lui causer la mort. Bon, par contre, le temps qu'il arrive, vu qu'il a l'air de courir à deux à l'heure, moi, je vais tuer quelques ennemis encore, je vois qu'il y a un territoire à prendre par ici. Alors, je pense pas que je vais aller le prendre, mais au moins faire passer Hancock niveau 3 maximum. Voilà, parfait, c'est ce que je voulais. Et du coup, on a tartiné, mine de rien, là, on a bien tartiné. Et on va pouvoir continuer d'augmenter les autres. Allez, voilà, un bon coup de poing. Et combien sont arrivés? Bah, quasiment tout le monde, il manque que Sanji du coup, hein. Il manque que Sanji. Oh, c'était quoi cette attaque? C'était quoi cette attaque que j'ai faite, là? Elle était stylée. Elle était vraiment stylée, cette attaque, là. Allez, voilà, dégagez tous. Ok, c'est bon, bon, mais j'ai pas le temps de terminer. Je crois qu'ils sont tous arrivés à bon port. Et du coup, je vais les rejoindre. C'est parti. Ils sont ici. Tout le monde est là? Ça me paraît un peu court, hein, comme mission, quand même. Je sais pas. Sanji, tu n'es pas censé approcher les femmes. Sanji se pétrifie à cause de la présence des femmes. Non, le pauvre. Le pauvre. Dépêche-toi, fais quelque chose. Lol. Comment ça se fait qu'il se pétrifie carrément maintenant, lui? Il a passé deux ans avec Hancock ou quoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce petit Sanji? Tu as réussi à mener les alliés au Tounsansony. Le territoire littoral sud-est a disparu, mais ça, c'est pas... On attend toujours Zoro et Brook. Ah ouais, c'est vrai qu'il manque Zoro et Brook. Oh, Zoro, il doit être trop fort maintenant, j'imagine. Je sais qu'il s'est entraîné avec Miwok, je m'étais un peu spoil, et il a dû devenir beaucoup trop fort par la suite, j'imagine. Il doit être vraiment, vraiment, vraiment surpuissant. Ok, on a Zoro qui est arrivé, est-ce qu'on peut monter la barre de Zoro? Oui, on peut la monter, bah du coup, c'est parti, on va la monter de suite. Il va passer niveau 2 direct. Let's go! Eh oui, il passe niveau 2. Bien sûr qu'il passe niveau 2, Zoro. Il n'a pas le temps, et d'ailleurs, il va passer niveau 3 d'ici quelques secondes. Voilà, nickel. Il est niveau 3, eh bien on va aller l'aider. Tu peux m'appeler à tout moment. Les alliés avancent, j'ai pas trop compris. Usopp, ok, donc ils sont sortis. Ok, ils ont pris le bateau, certainement. Et donc moi, je dois aller aider. Voilà, Tounsansony a commencé à se déplacer vers l'autre côte. Ok, d'accord. Ah oui, ok, c'est bon, je vois le bateau. Et donc moi, je dois aller aider le petit Zoro qui va se perdre, j'imagine. Parce qu'il fait que se perdre, hein. Ce mec, c'est vraiment un boulet, quoi. Clairement, Zoro, c'est le roi des boulets pour ça. Bon, 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 pop, 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 pop. On a fait carnage ici, on a fait carnage. Avant d'aller l'aider, dites aux marines de se préparer à... Oh, Santomaru, elle est encore... il est encore là, lui. Putain, mais c'est pas vrai, quoi. Oh, il y a du monde. Oh, il y a du monde. Oh, il y a du sacré monde, là. Ouais, 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 ouais. Il y a du sacré monde, là, par ici. Il y a du sacré monde par ici. Allez, on va tenter de passer niveau 3. Nice, c'est bon, on est niveau 3. Et c'est donc maintenant qu'on va utiliser le Kizuna Rush avec Zoro, avec Perina. Ok, on est parti. Et donc là, il y a une petite chasse au trésor encore, qui correspond à je sais pas trop quoi. Mais on va la faire, quoi qu'il arrive. On va défoncer tout le monde, j'ai dit. Et vraiment jusqu'au dernier. Boum! Voilà, mon petit Zoro, il est là, il est présent. Il est chaud. Allez, on les défonce tous. Ils sont où? Ils sont là. Ils sont là, les marines. Les commandants de la marine. Allez, allez, on les défonce. Ouais, 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 c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Là, là, on fait vraiment gros, gros carnage. Ça fait zizir. Ah, là, je fais vraiment le bordel total. Boum! Allez, on le tue, lui. Est-ce qu'on peut le tuer? Est-ce qu'on peut le tuer avant la fin du Kizuna Rush? Bien sûr qu'on peut le tuer avant la fin du Kizuna Rush. C'est une question qui se pose même pas. Allez, allez, on va où? On va où? Hancock, ah ouais, qui est poursuivi. Hancock qui est poursuivi par le commandant de la marine. Je te stoppe de suite, monsieur le commandant. Oh là, dégage. Il a dégagé très très loin. Allez. Ok, c'est bon, c'est la fin pour lui, on a réussi. Et il en reste un, je crois, il en reste un peu plus loin. Il en reste un peu plus loin. Ah, mais c'est vrai qu'on a le pouvoir max aussi avec, avec Hancock. Allez, 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 on les défonce tous. Voilà. Ça, c'est fait. Oh, elle a pétrifié tout le monde, intéressant. Allez, on le défonce, lui. On le défonce. Oui.
On l'a défoncé. Ok, c'est bon. Donc maintenant, je sais pas trop ce qu'elle va faire, Hancock, mais c'est pas grave. Moi, je dois aller sauver quelqu'un là-haut. Il y a quelqu'un qui doit être sauvé. Par contre, je crois que je dois rejoindre Usopp. Usopp, qu'est-ce que je dis, moi? Zoro avant. Ok. Ah non, en fait, je dois ramener le deuxième allié. Ah ouais, ouais, ouais. Donc vite, vite, que j'aille l'aider. Parce qu'en plus, je crois qu'il a deux commandants sur la tronche. Donc on va vite aller l'aider. Très, très vite même. On fait vite. J'aimerais que vous cessiez de tirer. Ouais, mais là, il t'écoute plus, hein, ma grande. Allez, c'est parti, Hancock. Let's go! Après un Kizuna Rush, le niveau de Kizuna Rush est augmenté de 1, je crois que j'ai bien vu, hein, si j'ai pas, si j'ai bien fait attention. C'est bon ça. Voilà, retraite. Retraite pour tout le monde, même pour toi. Voilà, parfait. C'est le bordel, c'est le carnage de Luffy. Ah, Luffy est vraiment trop fort, hein, quand même, comme personnage aussi. C'est vrai que je disais que Barbe Blanche était vraiment complètement pété dans l'épisode précédent, et c'est vrai d'ailleurs, Barbe Blanche, qui fait vraiment partie du top 3 des persos les plus abusés du jeu. Mais Luffy aussi, hein, je pense que Luffy fait partie au moins du top 5, quoi. Allez, peut-être pas dans le top 3, mais au moins dans le top 5, ça c'est sûr et certain. Parce qu'il est vraiment beaucoup trop fort, Luffy. Hein. En tout cas, là, dans cette version, je le kiffe. Allez, voilà, territoire pris, comme ça, au moins, on nous embête pas. Et on va par ici. Ouh, il y a du monde, là, tiens. On va stopper ça. Ils sont là, ok. Ah ouais, c'est bon, en fait, Hancock, elle doit arriver... elle doit arriver au niveau du bateau. Le bateau est arrivé, donc lui, normalement, c'est bon. Hein. Ok, ça, c'est good. Aide les alliés à avancer, dirige-toi vers le point de rendez-vous sur la côte opposée. Hein. C'est qui, les alliés, là? Est-ce que c'est l'autre, là, qui est en train d'arriver à gauche? Est-ce que c'est Brook? Je pense que oui. Ouais, il descend. Ouais, c'est bon, c'est Brook en fait. Ok. Bon, mais on va aider Brook alors. Allez, c'est parti. On va tenter un petit coup de poing pour le faire passer. Niveau 2. Est-ce que ça va suffire? Ça n'a pas suffi. Ah, chasse au trésor. Réussite. Nice. そなたたちの船の積み荷も全て欲しい。何をバカなことを。そんな理不尽な要求が許されると思っているのか。わらわが何をしようとも、世界中がそれを許してくれる。なぜなら、そうよ。わらわが美しいから。貴様ら。 あの島にどれほどの凶悪感がいるのか分かっているのか。麦わらのルフィならば、わらわが七部会として追い仕留める。それで文句はなかろう。はい。総員撤退だ。 C'est vrai que Hancock est quand même vraiment, vraiment, vraiment joli. Hein. Quand je regarde d'un peu plus près, c'est vrai qu'Hancock a quand même un sacré charme, hein, mine de rien. C'est vrai que je disais que Nami était vraiment imbattable niveau beauté, mais bon, Hancock est quand même vraiment, vraiment très, très belle, je dois le reconnaître. Il n'y a pas à dire. Allez, c'est parti, le gros coup de poing pour passer Brook niveau 3. Oui! Brook est niveau 3, en plus on a réussi à prendre le point, du coup tant mieux. Par contre, il y a un commandant pirate qui se rapproche, et ça c'est moins cool. Du coup, gom-gom dans ton nez, voilà. Gom-gom, tu es vaincu. C'est comme ça que ça s'appelle maintenant, gom-gom, tu es vaincu. Allez, boum! Boum, gros coup de poing. Et du coup, Brook qui est en train de se rapprocher de Zoro. Donc du coup, tant mieux, je pense que nous avons réussi notre petite mission. Allez, on va les rejoindre. Je sais pas si ça se termine comme ça, je pense pas quand même. Voilà, remarque, si. Ouais, si, il y a le bateau qui est en train d'arriver, donc au final, si, c'est bon. Ok, on est tous là. Attendez, Perina, là, comment elle s'appelle? Perona, là, Perona, voilà. Elle va rejoindre notre équipage? Qu'est-ce qu'elle fait encore avec nous, là? Genre, elle va rejoindre notre équipage, elle. Après, pourquoi pas? Moi, ça me dérange pas, je la trouve mignonne, mais ça me paraît bizarre. L'équipage du chapeau de paille se retrouve après 2 ans. Oh, c'est beau, ça. Ça, c'est beau, ça. J'espère qu'on va avoir le droit à une belle cinématique. Pas besoin de partir tout de suite. Oh, Sentomaru. Oh, Sentomaru. Salut. Ouh, il y a du monde. Intéressant tout ça. Alors, attendez, est-ce qu'il y a une... Est-ce qu'il y a une... Vérifier la légende. Vaincre Sentomaru en utilisant l'attaque spéciale Kizuna Rush. Ok, c'est bien ce qui me semblait. Du coup, ce qu'on va faire, dans un premier temps, on va lancer un petit coup de poing avec Zoro, tiens.
Voilà, nickel. Et du coup, on va pouvoir relancer avec Brook. Ah, ben on va pouvoir relancer avec Brook. Bah, du coup, c'est parfait. Allez, Brook, let's go. Et là, ouf, là, on est nombreux. Là, on est nombreux pour le Kizuna Rush. Là, on est nombreux pour le Kizuna Rush. On est très, très nombreux même. Ok, Sentomaru, je crois que tu vas pas faire long feu en fait. Je m'attendais à mieux de ta part. Je suis un peu choqué et déçu, Sentomaru. Allez, boum. On les vaincra tous. Voilà, on les vaincra tous, les pacifistas. Il y a une chasse au trésor à faire en plus, voilà, parfait. Moins un. Il y en a un autre par ici. Allez, 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 allez. Non, je pourrais pas le vaincre là-dessus. Allez, est-ce qu'on va réussir? Est-ce qu'on va réussir? Oh là là, c'est le bordel, là, je vois plus rien. C'est le carnage. C'est le carnage. Oui. Bon, il est pas vaincu encore, il est pas vaincu encore. Voilà, nice. Allez, encore un, encore un, encore un. Il en reste encore un. Enfin, non, je crois qu'il en reste deux même. Il reste lui et un autre. Allez, 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 on le défonce, on le défonce. On le défonce. Retraite, c'est bon. Il bat en retraite. Ok, je crois que le Kizuna Rush est terminé. Ah, par contre, j'en ai pas d'autres, Kizuna Rush. Ah, j'en ai pas d'autres. En fait, ça m'a épuisé celui de Hancock aussi. Ah non, c'est pas cool, ça. C'est pas cool parce que Sentomaru, faut que je le finisse avec un Kizuna Rush. Ok, c'est pas cool du tout. En plus, il se met sur ma route. Aïe, 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 c'est pas cool du coup. C'est pas cool du coup, c'est pas cool du tout. Faut vraiment que je fasse quelque chose, que j'arrive à monter niveau 3. Allez, avec Zoro peut-être. Ah, non, ça va pas suffire. Ça va pas suffire. Ça va pas suffire, cette histoire. Attendez, ce que je peux tenter, si à la rigueur, ce que je peux tenter. Si, si, il y a un truc qui peut se tenter, il y a un truc qui peut se tenter. Voilà, là on a les deux barres. Par contre, danger de fuite en coque, ouais, c'est pas très cool. Il y a un truc qui peut se tenter. Il est où le pacifista là? Il est là. Ok, monsieur le pacifista. Ah, c'est bon, j'ai le Kizuna Rush avec Zoro. Allez, c'est parti. Normalement, ça devrait le faire. J'avais pas vu que j'avais le Kizuna Rush avec Zoro. Ok, c'est bon, hein, voilà un de terminé. Allez, toi, normalement, j'espère que ça va suffire. Mon petit Sentomaru, je crois que je l'ai activé un peu tôt, mais sait-on jamais, j'espère que ça va passer. Si ça passe pas, tant pis. Ça sera du bonus, si ça passe. En plus, là, on est vachement nombreux. Oui, on a réussi, victoire en plus. Boum. Eh oui, bon, par contre, du coup, on n'a pas vu la cinématique de la dernière chasse au trésor. C'est allé tellement vite que j'ai défoncé tout le monde. Bon, mais je crois qu'on se reverra un jour. Ouais, bon, mais je pense aussi qu'on se reverra un jour. Là, on les a vraiment... On leur a vraiment fait très très mal. Très 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 mal même. Et du coup, on a laissé qui sur l'île? Baby! Inenka, honton ni iroiro arigato! Hayaku ike! Baby! Ore wa yaruzo! Kaizoku o ni! Ore wa! Nara! Igo ga. Ja, Eri. Itte kuru. Ah. Kyōten made itte koi. Noja? Doko no dare da omae wa? Roger. Subete ga hitzen de aru ka no youni. En wa yaura katachi o nashite iku. Tokaku, Luffy wa mata ichidan to ano boushi ga yoku niyau otoko ni natta. もう俺のわがままに付き合ってくれてありがとう。
出航だ。Eh bien ça, c'est une mission comme on les aime, c'est une mission qui donne le sourire, qui donne envie de jouer quoi. Et qui donne envie d'aller regarder aussi l'animé, enfin ou de lire le manga quoi. Ouais ça fait plaisir ce genre de mission, ça fait vraiment très très plaisir. Allez du coup on a eu rang S partout, voilà, on peut pas monter plus que 50, du coup qu'est-ce qu'on a réussi? 1, 2, 3, 4, 5, bon chasse au trésor il nous en manque une malheureusement, 6, ah j'avais tout réussi, j'ai tout réussi sauf une seule chasse au trésor. Et je sais laquelle c'est que j'ai loupé, c'est celle où Sanji s'est pétrifié, ce con. Cet enfoiré de Sanji, il me fait rater le 100% quoi. Ouais, je suis triste. Clairement là, ouais c'est bon, j'ai plus, ça est bon, allez vas-y, je coupe la vidéo là. Non, je plaisante bien sûr. Mais bon, Sanji là, il fout les boules quand même. Mais ouais, non, ça fait plaisir de pouvoir jouer les persos deux ans après comme ça, et de les revoir un petit peu tous en étant bien plus fort. En tout cas, Luffy a pris du grade. Non, c'était une très très belle, très très bonne mission. Moi, j'ai bien kiffé cette mission. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Symbole de Nico Robin. Ah, ben c'est bon, ça. C'est bon, ça. On a eu la petite pièce de Nico Robin. On a eu quoi, là? On a eu, ouais, pas mal de pièces. Ouh, et on en obtient 3 aussi. 3 autres dorés que l'on va garder précieusement. Parce que je pense que ça pourrait être utile par la suite. Perona est à présent sélectionnable dans le mode libre et le mode rêve. C'est bon, ça, un nouveau costume pour Zoro a été ajouté, un nouveau costume pour Nami a été ajouté, costume pour Usopp, pour Sanji, pour Chopper, pour Robin, pour Franky, pour Brook, et ok, c'est bon, et normalement on est bon. Ah ben là, on a débloqué pas mal de choses, et donc en fait, ce n'est uniquement des costumes que l'on débloque pour nos personnages, en fait, c'est pas une autre version des personnages plus puissante. D'accord, très bien, et donc la prochaine fois, on sera périple sur l'île des hommes-poissons. Ok, ok, très bien, ça me rappelle quelque chose, les hommes-poissons, il me semble qu'au tout départ de One Piece, ils affrontent Arlong, certainement qu'on va retrouver certains d'entre eux. Et j'espère que ça va bien se passer tout ça encore. Allez, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié, bien sûr. Pour mon cas, c'était vraiment un très très bon épisode. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Ça fait vraiment plaisir à chaque fois. N'oubliez pas de laisser votre avis dans l'espace commentaire. N'oubliez pas aussi que vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Snapchat et Instagram. Et puis, j'ai plus qu'à vous dire au revoir. Et on se retrouve le plus rapidement possible sur ce One Piece Pirate Warrior 3. Merci à tous de l'avoir regardé. Et je vous dis à très vite. Bye bye tout le monde !